Isabelle. Ouais, ma femme est là, elle est couchée Mais même est-ce qu'il déjà. lui fait, c'est quand il lui fait Non, il chier? a écouté. Non, non, moi j'ai tout écouté, j'ai écouté tout le live. Hein, et franchement, Isa, ça se voit que tu aimes beaucoup ton mari. Tu m'aimes? Et. Tu Mais oui, ça m'aimes? se voit. Juste par le regard et par son comportement, ça se voit vraiment qu'elle t'aime vraiment, tu vois. Et elle a eu le temps. Tu n'étais pas là, elle a tout vu, elle a eu le temps. Si elle voulait partir, elle serait partie. Mais elle est quand même restée avec Mais vous. Avec... moi, je veux plus qu'il y ait le système entre nous. Je veux pas. C'est-à-dire, Oui, même oui. le soupçon, je veux pas. Ça, c'est bien. Ça, Sauf c'est si bien, ça par passe. contre. Parce que je connais, ça finit par conclure ce truc. Ça finit par conclure. Et ça peut conclure contre moi parce que mine de rien, tu vois, j'ai pas commis de crime officiel. Hein. Il n'y a pas de crime de vrai. Non, Mais non. au fait, elle pense que c'est ce qu'elle va dire qui va compter. C'est pas ce qu'elle va dire qui va compter. C'est mes traces sur les réseaux. Mes traces financières, mes traces, c'est Oui. ça qui va compter, c'est ça que cette go-là comprend pas. Non, Non, mais. normalement, Isa, elle doit être ton bouclier, surtout contre les détracteurs qui sont à l'extérieur là. Parce que, Non, moi, enfin, moi, je veux pas être filmée, en fait. tu vois, parce que généralement, ces genres d'histoire là, Isa, tu dois protéger ton mari. Tu vois, et chez nous au Cameroun, on dit souvent que le linge sale se lave en famille. Ça Il veut ne dire faut que pas dire un... ça parce que moi, il est déjà envoyé sur Internet. Je n'ai pas lavé le linge sale en famille. Ce n'est pas Non, si. l'équilibre, là. Oui, mais c'est parce que si c'est que tu as mis ça sur Internet, c'était pour que tu puisses avoir aussi nos points de vue à nous, tu vois. Exact. Entre nous, noirs, voilà, c'est la famille, quoi. Donc, Oh, on essaye de, voilà, de te donner des bons conseils. Et moi, je suis pour que vous restiez ensemble. Parce que vous venez de très loin. moi, je Et ça. suis arrivé. Tranquille, ce qui s'est passé, j'ai eu un peu plus d'estime. C'est-à-dire que si elle était à 100%, elle est montée à 200%. Oui. Ouais. Mais reconnaissez que moi, peut-être que c'est une maladie. Moi, je suis parano. Je suis très. Et j'arrive, je ne me trompe pas. Non, mais Je me trompe pas. c'est Il même y a un bien truc, parce que tu tu sais. sens ça de loin. Tu sens ça de loin. Je connais la go là, je la connais. Tu vois, et limite, peut-être c'est elle qui ne connaît pas le petit gars que je suis. Le système là, hey. Il y a des psychologues, ils sont forts. Ouais, non, ils sont très forts. Ils vont Là-dessus, courir dans non. ta tête. C'est facile, ça. Et Oui, c'est ça. ma peur. J'aime pas perdre le contrôle. Je n'ai pas dit que je vais contrôler Isabelle. Je n'ai pas dit ça. Non. Mais je vais déjà comprendre. Même moi-même, j'ai dit, ah, Isa, si c'est ça chauffe trop ton cœur, mon comportement là. C'est pour ça que je me dis, non, faut me demander pardon. Parce que pour moi, ça, c'est à l'africaine. Même moi, je te dis, ils m'ont fait beaucoup de tort. C'est pas le pardon que je veux. Parce que le tort, c'est le tort. Ouais. Enfin, on a fait tort là. Même si on te demande pardon ou ils t'ont fait du tort, c'est déjà fini. Donc, moi, le pardon, je ne vois pas sa valeur en tant que telle. Tu comprends? C'est excusé là. Un pardon. Ça, c'est tout à l'africaine, ça, mon frère. Je suis désolée, mais tu peux pas blesser une femme et non, je ne veux pas que tu me Non, dises. blesser Tu ne quoi? peux pas blesser une femme et demander Blesser. à ce qu'elle te demande pardon. Non, je n'ai pas dit n'importe quoi, mais elle a quand même demandé pardon, je n'ai pas dit ça. Mais Non, justement, c'est à toi de t'excuser. non, Et non. même si. Lui, il parle par rapport aux assistantes sociales qui veulent monter sa femme contre lui, tu vois, Oui, mais c'est elle aussi, déjà. elle essaie de se défendre. Je suis désolée, mais elle essaie de se défendre. Elle connaît personne. Elle a dit elle-même que observateurs sont ceux Oui, parents son ici en bouclier, France. ça veut dire Voilà. son père, sa mère, tout et tout. Mais si lui, il décide de l'abandonner aussi, c'est-à-dire de la laisser, bah, c'est tout à fait normal qu'elle essaie de se chercher en demandant de l'aide aux assistants sociaux et tout afin de l'aider. Femme de France. Mais les assistants sociaux, là, moi je dis où? Moi j'ai dit à Isabelle, j'ai pas dit que je laisse la maison. La maison, là, tout ça, la trois chambres, salon, j'ai dit je vous laisse. Hein? Le problème, c'est pas ça. Ça veut dire que le problème, c'est que le froid qui s'installe là, ça peut faire de nous des gens plus forts. C'est Oui, cette que je oui. reconnais. Ça veut dire Soit que ce vous montez froid, ça, soit vous montez ça à deux, soit c'est mort. voilà, ce froid-là, je me dis, je peux aller plus fort avec ça. C'est-à-dire que je peux demain anticiper sur le fait que, je vais rentrer à la maison. Et c'est quoi la maison? C'est ici, ma femme, Et mes tes deux enfants. enfants, mais oui, Demain, c'est je deux. peux rentrer et devenir un homme. Peut-être que pour le moment, je suis un petit garçon et devenir un homme. Mais j'ai peur qu'il y ait un système qui s'installe où moi, quoi que je dis, je ne reviens plus. Parce que, Ah, tu regarde, ne reviens quand elle est là, quand il n'y a pas de perturbation ni de saturation extérieure, plus. tu es là, tu te. Regarde, on appelle ça des moments de recueillement. Comme la tante l'a dit, ta femme l'a dit aussi, Isabelle n'a que moi. Je suis conscient de ça.
En aucun cas. Je suis trop conscient de ça. Et je suis venu là. Je rentre dans la porte, je dis non. Elle est au téléphone, elle dit, je vais aller dormir dehors. Non, non, non. Il va dormir dans la rue. Il va mourir. Mais au fond de moi, demande à Isabelle mon attitude. Je suis resté sobre et calme. Parce qu'il sait que moi, là, j'ai envoyé enfant des gens en France. C'est moi qui l'ai envoyé. Observateur. Oui, mamie. Voilà. Pourquoi ne pas, dans ce cas, aider ta femme à devenir celle que tu aimerais avoir? Oui, mais c'est dans ce processus, on est. Mais dans ce processus-là, on a compris parce qu'on a eu un processus, ce processus-là. Non, c'est ça, c'est du bon français, c'est un processus. Bon, bref, on est dans ce processus. Bref, et ça, c'est un Il n'est bon jamais sérieux, ce truc. mec. Hein. Écoutez, parce que toi, là, tu écoutes aujourd'hui et puis demain, tu oublies. On est dans ce processus. Ouais. Et c'est ce que je dis. On est dans ce processus. Et moi, peut-être que c'est vrai ou c'est faux. Moi, ma crainte, c'est qu'on se fasse. C'est comme un virus qui va rentrer le système. Ouais. Je connais, moi, là, j'ai travaillé déjà. Je connais. Regarde, quand tu vas chez Pôle emploi, chez CAF, aux impôts, c'est des gens, on les appelle, comment on appelle ça? Non, Des c'est des virus. psycho-rigides. Des Oui. psycho-rigides. Ouais, c'est des virus, c'est des virus. Carré. Eux, là, c'est carré. Quand tu es dans le fichier, là, tes problèmes commencent aujourd'hui, c'est comme le cancer. Ça va Ça jamais finir. finit jamais. Oui, c'est On est clair. d'accord. Ça finit jamais. Que tu sois coupable ou Surtout, innocent, ça finit jamais. jamais, surtout les aides de la France là. Ils te donnent une aide. Hein. Bon. Tiens-toi prêt que ça va jamais finir. Hein. Ils vont continuer à ils vont jusqu'à Bref, on dormir n'est une pas aide. encore dans ce mécanisme. Et moi, en fait, comme Isabelle, elle n'est pas encore, elle comprend pas encore cette facette un Ouais. peu dangereuse ou vicieuse ou chanceuse, je veux garder le contrôle sur cette partie. Et Ouais. moi, au fond, quand je vois que je contrôle pas ça, moi, ça me saoule. Sinon, elle, là, moi, je suis prêt. Aïe, petit goût comme ça. Skinny, baby. Skinny. C'est Elle gars. peut, elle peut, elle, tu, elle peut aussi faire une formation. Et non, Peut-être elle c'est le travaille, fait, peut-être c'est le elle se fait. forme bien sur En ce fait, point. moi, je pense peut-être c'est le fait qu'elle soit à la maison, à ne peut-être rien faire. Bon, certes, elle s'occupe des enfants ou autres, mais du coup, pour toi, enfin, tu ne retrouves pas forcément la femme, les filles, surtout les filles que tu vois dehors en elle. Non, Parce non, non, qu'elle non, ne non, fait non, non. rien, elle est à On n'est pas à la ce paramètre-là. Est-ce qu'elle écoute? Je veux que tu écoutes. En fait, mon problème aujourd'hui, Isabelle, on est d'accord, c'est maison. les thèmes français qui est en train de rentrer dans notre truc qui fait qu'aujourd'hui, là, je suis en panique. C'est ça que je résume. C'est pas le fait D'accord. qu'elle ne travaille pas. C'est pas le fait. Moi, j'ai énuméré ce point parce que le système veut en train de nous polluer. C'est pas le fait qu'elle ne travaille pas qui est mon problème. C'est ça, en fait. Et tu penses que c'est elle pense la même chose, elle? Tu penses? Puisque c'est elle qui envoie le système, c'est elle qui les ramène à la maison. Non, C'est ça qui je a fait pense que qu'il vous Parce qu'il y a ce que. n'y a pas mes traits de Attends. santé. Parce Hein. qu'il y a ce que toi tu penses et il y a ce qu'elle elle pense. Ouais. Donc tu ne peux pas penser pour vous deux en même temps. D'accord, vas-y, vas-y, vas-y. Je dis que c'est à cause de toi que moi je suis rentrée dans le système. Voilà. Si tu me disais, me menaçais pas, tu me menaçais pas un peu dans tes messages, quand tu as envie, moi j'allais jamais mettre les pieds même sur Voilà, les. pour elle, tu lui J'allais faisais jamais du mettre mes pieds là-bas. chantage. Moi, je suis à la maison ici. Pour moi, il y a mon mari, mes enfants. Toi-même, tu m'as payé une formation que je fais. Je me contente de ça. J'allais jamais aller sur quelqu'un pour dire quoi que ce soit. C'est toi qui fais tes trucs, ça m'énerve. Et puis, moi, je ne vais pas rester là. Et puis, demain, tu vas venir, tu vas ramasser pour mettre dehors. Je ne vais pas attendre que ça arrive. Tu vois, c'est des questions comme ça que tu dois poser à ta femme. Parce que, en fait, parfois, quand tu penses, tu réfléchis pour vous deux. Et parfois, tu as tendance à oublier son point de De vue vue à à elle elle. là. Mais Ouais. Non, ouais. en même temps, quand tu fais ça, n'est-ce pas? Mais moi, je te comprends, en fait. Hein. Moi, je te comprends. C'est que. Comment c'est quoi le mot? C'est que tu as tendance à vouloir tout gérer seul. Ça veut dire que tu veux tout prendre, tu vois? Même ta propre femme, tu la prends un peu comme si c'était ta petite sœur. Voilà, tu veux. Donne-la Je veux aussi un tout peu. gérer en fait. Tu veux tout gérer. Et à un moment donné, quand ça pète, ça pète. Tu vois? Parfois aussi, c'est important que tu l'écoutes un peu. Tu lui poses des petites questions. Bon, ok, d'accord, on est là maintenant. Tu sais ce que je fais, mais toi, tu aimerais faire quoi? Tu vois? Parce que moi, je prends l'exemple peut-être avec ma femme. Nous, on a eu un projet. Mais par contre, tu vois, c'est moi qui travaille.
Mais c'est elle qui m'a donné l'idée de pouvoir faire ce projet-là. Moi, je pense que la seule chose que Madame Isabelle en a besoin aujourd'hui, ce sont des excuses venant de toi. C'est juste ça qu'elle attend. Et c'est très simple, nous les femmes, en fait. Moi, parfois, je m'énerve, je dis non. Enfin, je m'énerve, je dis bon, j'appelle la police ou autre, mais je sais qu'au fond de moi, je ne le ferai pas. C'est juste parce que je suis énervée. Tu vois. Donc, la seule chose qu'elle attend de toi, c'est juste les excuses. Ça ne te coûte rien. Tu dis simplement, chérie, je suis Je désolée. m'excuse pourquoi? Pourquoi? Mais C'est c'est ça. ça le problème. C'est ce qu'elle veut juste Même si entendre tu ça. t'excuses Juste pas, ça. si tu t'excuses pas de m'avoir planté Juste là, apaiser le excuse-toi au cœur, moins en de fait. m'avoir affiché sur les réseaux sociaux. Non, Isabelle. Moi, je me suis défendue par rapport à une situation. On n'en disconvient pas, observateur. Dis juste, je suis désolée. Non, Non, c'est non, bon, c'est mais bon. c'est ça le Désolée de pas dire problème. maintenant, c'est pas ça, ça va pas s'insérer Non, comme ça chez nous. Isa, non, non, ne dis pas ça, ne dis pas ça. Isa, bon, allons dans le concret. Excuse, non, non, mais pardon, c'est à quoi? Ça arrive à quoi? Moi, Observateur, je suis. observateur, moi je pense que le côté d'excuse, hein, ça serait juste un que ta femme et toi. Ok, on n'a même pas besoin de savoir quoi que ce soit. Là, c'est vraiment votre intimité. Si Mais moi, en fait, après nous, l'excuse, c'est un résultat final. De quoi? oui, De sur quoi? m'excuser de quoi? Moi, j'ai fait quoi? Mais Moi, depuis. peut-être toi, tu penses que tu n'as rien fait. Mais elle se dit, tu l'as blessée. Donc, c'est tout à fait normal. Elle se sent blessée. Ok, Blessée. voilà. Blessée. Je t'ai pas dit ça. Bah, Non, voilà. mais écoutez-moi. Non, 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 non. Moi, j'aime bien. On va se comprendre et puis après là, on va savoir ce qui se passe. Ouais. Je viens, moi, j'écoute des gens très sages. Moi, regarde, moi, je veux la tête de ses ennemis. Je ne peux pas lui faire des excuses. Je ne sais pas qui l'a envoyé là, qui lui donne des conseils. Je ne veux pas. Voilà. Ok. Premièrement. Voilà. Deuxièmement, écoute-moi, vieux petit frère. Moi, je me Oui, il n'y a fais pas de souci. conseiller par des anciens. Tous mes amis, Isabelle et moi, on a eu des moments de foi. Ça, c'est rien. Des moments de foi. C'est un petit de rien du tout qui a 24 ans, qui m'a dit, écoute, le père, un peu comme toi, il m'a dit, observateur, j'étais au Canada, toujours je suis au Canada. Hein. Rentre. Va parler à ta femme. C'est Tu sais, vrai. ta femme-là, tu vois, une go qui t'aime là, non, faut aller, asseyez-vous et Et discuter. discuter, c'est très On est important. venu, non? Donc, discuter, discuter. Au lieu de discuter, discuter, c'est aller loin. On a fait Arthur. Voilà. T'as vu? Et après encore, il y a un béton qui pète dans mon crâne. Je m'en vais encore au Canada, je vois, le monsieur s'appelle Conan, peut-être, mais nous suis, c'est un grand monsieur. Moi, OK. j'ai la chance d'avoir de bons amis, d'être vraiment bien encadré. Oui. C'est pour ça que si je dois faire mes excuses là, ça doit être vraiment encadré. Moi, j'ai mes amis qui m'encadrent bien, qui me Oui. donnent des conseils pour moi et pour Isabelle. OK. Mais Isabelle, elle n'a pas encore de bonne copine. Et ça, je ne bosserai pas mon froc pour ça. Les gens qui ont conseillé Isabelle là, c'est vrai, elle dit, elle prend des décisions parce qu'elle a peur de se retrouver en position de faiblesse. Je comprends. Voilà. Mais moi, autant j'ai des bons conseils qui font tout pour que toi et moi, ça marche. Moi aussi, j'aimerais que toi, tu aies des copines qui font tout que toi et moi, ça marche. J'aimerais pas que des copines qui te montent contre moi. Demain, je deviens quoi? Je deviens quoi? Mais Non, pardon. est-ce que tu sais que cette histoire même c'est très facile à régler? Est-ce que tu sais que sincèrement, si tu prends ta femme dans la chambre, hein, tu lui dis, Isa, ma chérie, dis-moi, c'est qui mes détracteurs? Elle va te dire ça. On a causé. Madame Elle me casse les Isabelle, papeaux. elle te le Elle dira. casse les papeaux, mais elle ne veut pas me donner la tête des Ma ennemis. Madame Elle Isabelle. va te donner. Mais Oui, par contre, attends, s'il te plaît. Qu'est-ce que vous attendez de votre mari. de votre mari? Des excuses sincères. Par Voilà. Hop. rapport à quoi? Voilà. Et par rapport à ses infidélités. Non, non, non. Et Parle de puis mon. ma descendance sur les réseaux Ils ont sociaux fait ça aussi. publiquement, donc Mais laissons-le. non. Non. Bon, vas-y. Voilà. Elle a dit le problème. C'est par rapport à vos infidélités et tout. Donc, pourquoi ne pas t'excuser et puis résoudre le problème? Non, le souci n'est pas Ah, l'attentif. Moi, le vieux j'ai frère, juste un là. truc. Parce Moi, que je te là, dis vous ne que vous comprenez pas, en fait. Parce que toi, tu pourquoi penses tu m'as pas n'avoir rien fait. attendu, tu m'as pas entendu pour me demander si je dois te faire des excuses, si j'ai du regret ou pas, et tu déclenches la bombe nucléaire. Pourquoi? Moi, je sais pas. Mais elle a Tu as dit que tu déclenché avais la fait bombe. rentrer, tu ne lui as même pas dit Tu étais bonjour. là-bas, tu m'envoyais des messages. Tu étais là-bas, Non, tu on m'envoyais ne des messages. s'envoyait pas de messages, hein. Tu m'envoyais des messages. Tu m'envoyais des messages pour me dire. Pardon. Voilà, tu m'as dit après le divorce. Tu Ça l'a m'as dit, calé. tu m'as dit, envoie-moi ton adresse après le divorce où tu vas aller vivre. Le père. Tu m'as dit ça là, Ça arrivait là-bas. tu veux que moi je fasse quoi, Florent? Ça, c'est vraiment du chantage émotionnel en fait. C'est-à-dire,
C'est du chantage Oui, émotionnel. mais la goutte, quel est le message que tu m'envoies? Tu me déçois. J'espère que mon fils ne va pas te ressembler. Ça, c'est quand tu es arrivé, moi, je t'ai dit ça. Oui, mais tu Mais m'as c'est dit pas la que tu colère, déçois. ça, je ne regrette pas. Non, C'est la colère. mais c'est la colère, ça, Oui, franchement. c'est la colère. Mais Ouais. moi, je n'ai rien fait pour demander pardon. Je n'ai rien fait. Mais tu as C'est été qu'elle a vu infidèle là. à Écoute-moi, plusieurs tantine. reprises. Et ça, Hein? Qui cherche, trouve. Elle allait regarder à mes ordinateurs. C'est Non, qu'elle a mais vu non, non, là. non, non, ça, Non, ça n'a déjà rien même à voir ça, avec ce qui va se passer quand entre on dit ça, Isabelle et ça moi. m'a j'étais très énervée. Parce que je dis, non, moi, tout de suite, Isa. si tu as besoin Mais du c'est téléphone qu'elle a de fait mon mec, des. je Mais dis, ça tu as besoin de ton téléphone. Qu'elle a fait des. Aujourd'hui, là, je vais te dire, je suis là, je ris. Mais au fond de moi, là, je suis triste, À même. cause de Je suis quoi? Tu triste, es triste Laurent. pourquoi? Ben, Tu es triste pourquoi? Dis-moi. Obso. Oui. Écoute, écoute. Dès lors où ta femme te demande ton téléphone ou ton ordinateur et que tu refuses, c'est parce que pour toi, tu as fait des bêtises. Je n'ai rien fait, ma tata. Non. Je Moi, n'ai je suis désolée, mais moi, je demande tout de suite le téléphone à mon mari. Je lui dis, écoute, j'ai besoin de ton téléphone. Et qu'il me refuse, ben, je suis désolée, mais là, c'est la guerre. Maman, là où il y a le problème, Isabelle est allée fouiller dans mon ordinateur. Mais Elle s'est fait des films. Elle c'est s'est parce convaincue, qu'elle avait des elle, doutes. que Elle moi, je avait l'ai des doutes. trompée. Et moi, je dois demander pardon. Elle Elle-même, avait elle des rigole. doutes, Regardez. donc elle a voulu Ce que tu vraiment dis, un l'affaire, ce que Un tu dis, instant, l'affaire s'il te plaît, un rigolo. instant. Isa, Oui. qu'est-ce qui t'a poussé à aller regarder dans l'ordinateur de ton mari? Bah, elle avait des doutes. Attends, ma chérie. Bon, La là, question ça, oui. c'est à Isa. J'avais quelques doutes. Voilà. J'avais quelques Bah, doutes à c'est faire. toi aussi tu donnes l'idée Non, là. mais c'est pas ça. Mais je suis une femme, je la comprends. C'est tout Oui, à fait j'avais normal. des doutes parce que souvent, quand nous sommes en voiture, quand on sort un peu, il y a un numéro qui insiste. Non, mais toi-même, franchement, quand parfois ça fait comme Mais ça, je pète ton un câble ou quoi? mari est un homme public, donc il y a plusieurs numéros qui peut l'appeler. Ou Non, alors non, le même. non. Non. Et y a un numéro qui insiste. Qui Un insiste, numéro ok. qui insiste, qui l'appelle. Et Oui. s'il ne décroche pas, la personne va insister. Donc, moi, j'ai vu. Et ce jour-là, j'étais en train de faire un peu le ménage. Ménage Et à la maison, oui. voilà. Et il y a eu. Son ordinateur était là. Oui. J'étais en train de nettoyer. Lui, j'étais en train de nettoyer la chambre. Et le petit, il a tapé, tapé. Et je ne sais pas. J'ai entendu un bruit. Je viens, je regarde, c'est déverrouillé. Et il y a son compte WhatsApp qui n'a pas déconnecté. Donc, j'ai arrêté le ménage. La curiosité, J'ai arrêté le voilà. ménage et je suis rentrée. Et quand je suis rentrée, le nom qui s'affichait tout le temps sur le téléphone, j'ai pris et j'ai vu Dans le WhatsApp. Mais sur dans observateur, son ordinateur. Et là, j'ai tout vu. Oui, maman. Accepterais-tu qu'aujourd'hui, ta femme soit une bombe, c'est-à-dire, genre, bien. Enfin, là, elle est une bombe, elle est déjà une très belle femme, naturellement. Est-ce que tu vas accepter qu'elle sorte, c'est-à-dire, elle sorte ou bien. Aujourd'hui, tu vois ta femme très bien maquillée, tu vois qu'il y a des hommes qui commencent maintenant à la draguer et tout. Et que tu vois à des heures tardives ou bien à des moments où on l'appelle et qu'elle ne décroche pas, ça va pas t'interpeller quelque chose? Maman, moi je veux évoluer pour le bonheur de ma femme et Pour je veux. répondre. Non, ça veut dire que tu n'aimes pas ta femme, je suis désolée. Non, Quand je je dis n'ai pas aimer, répondu encore. pas aimer. Ok, J'ai dit je veux évoluer pour le bonheur de ma femme et je veux que Ouais. ma femme évolue pour mon bonheur. Voilà. Et aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu de problème. On a eu un premier problème qui remonte à 2015, le jour que je voulais. 2016. Voilà, quand Les Winnie femmes a avaient des dates de F, déverrouillé. tiens-toi. Hein? Winnie a déverrouillé ton portable aussi. Et j'ai vu des messages. Ce n'est pas des messages d'infidélité. C'était des messages où, bon, bref, ce n'est pas infidélité. Ouais. Et je me suis fâché, je voulais venir en France. Hein? C'était la première fois que elle et Que ça moi. arrive, quoi. Et tu m'as frappé à reconnaître. J'étais pas frappée. Tu m'as frappé, tu as frappé ma Non, main. c'est faux. J'ai juste fermé la Tu porte. m'as J'ai fermé. enfermé. Mais Quand avant de m'enfermer, tu m'as fait je quoi? nous ai enfermés, nous tous à Non, la maison, j'ai non. fermé la porte, Non, j'ai fermé faut le portail, reconnaître. j'ai fermé la porte. Avant de m'enfermer dans la chambre, Isabelle m'a poussé. Tu m'as poussé dans la chambre et puis tu m'as enfermé. Laurent, Parce que je voulais venir en France. j'étais pas enfermée dans la chambre. J'ai vu des J'ai messages. fermé le portail. J'étais juste critiquée avec une copine, c'est Mais tout. tu m'as enfermé dans ma chambre. J'ai été obligé d'appeler un ami menuisier pour venir casser la C'est porte. faux. Bah c'est. C'est faux. Oh, Madame Isabelle. Ablan, c'est Mais faux. madame, c'est bien ce que tu as fait. Parce Madame. que tu ne voulais pas que ton mari rentre en France étant fâché. C'est ça, non? Tu Ouais, veux discuter avec oui. lui. Oui, mais elle m'a agressé. Ouais, mais c'est normal. Elle t'aime, non? Tu veux qu'elle fasse quoi? Il y a des gens qui me font rire. Bon, bref.
Tu sais quoi, Madame Isabelle? Demain, tu te réveilles. Tu te rends belle, bien sexy. Tu sais quoi? Fais ça pendant une semaine. Ne moi, sois même pas... je m'en vais. Tu sais, non. Moi, je te respecte. Et donc, il y a certains trucs que je ne veux pas faire. Sinon, tu as tout gâté. À mon anniversaire, toi, tu ne m'as pas souhaité joyeux anniversaire. Oui, j'ai fait exprès. J'ai reçu un cadeau ici, mais j'ai ramené le cadeau. Par respect pour toi. Faut pas ramener, on comprend. On comprend. Et lui, il aime sa femme. Il a fait le jaloux. Oh, franchement. Bon, bref, tu... moi, oh, j'ai rien fait. Tu trouves pas que vous êtes mignon, là? Non, c'est pas question de mignon. Parce que quand vous allez couper son direct, celle-là, elle est bipolaire. Elle va péter les plombs. C'est tout à fait normal parce que tu n'étais pas excusé. Et même moi, à sa place, ça aurait été pareil, quoi. Elle attend des excuses sincères venant de toi, donc il faut le faire. Et je ne suis pas la seule à penser. Non, non, moi, je vous ai demandé, je suis dans le résultat. Isabelle aussi m'a fait du tort à quelque part. Ouais, c'est normal. C'est... Oui. Moi, je veux reconnaître que, moi, je suis un bonhomme. Je suis un guerrier dans cette maison. Je fais tout, je fais les choses bien. Je suis traumatisé par le manque de reconnaissance et j'en veux plus. Et moi, on me juge parce que madame a vu un numéro dans la voiture, elle est venue chercher le numéro ici, elle a déverrouillé, elle connaît mon mot de passe. Faut reconnaître, c'est pas tu qui a déverrouillé. Je connais pas, c'est le mot de passe de ton téléphone, je connais. Sinon, non, mais tu connais le mot de passe de mon téléphone. Obso. Oui, mais j'en tu connais... Je connaissais, non, je sais pas si tu as changé. C'était combien d'argent, je sais quoi. C'était pas... Observateur. Oh, elle m'a tué. Observateur. Tu sais quoi, les gens qui viennent te juger là, eux-mêmes, peut-être, ils font même pire, hein. Moi, je te dis, le plus important, c'est la famille. Le plus important, c'est Isa et toi. OK? Toi, tu as un arc qui a plusieurs flèches. Donc, forme ta femme. Tu as beaucoup de projets et avancez. Il y a des virus. Il faut qu'elle se débat. Il faut qu'elle reconnaisse. Parce qu'elle ne va pas se... Je t'ai dit. Ils lui ont dit que si elle porte plainte contre moi, ils vont l'aider. Elles vont l'aider. Mais c'est les salopards. Est-ce que j'ai fait? Mais tu as posé avec eux hier. Depuis que tu as causé avec eux hier, depuis hier, elle a parlé avec l'assistant social là. Elle ne me parle plus dans la maison. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Depuis hier, elle était au téléphone avec l'assistant social. Dès qu'elle a coupé, elle ne m'a plus parlé. Isa, c'est vrai? Elle ne m'a plus parlé. C'est faux. C'est faux. Toi, tu dis c'est vrai, elle dit c'est faux. Finalement, je vais croire à qui? C'est faux. Quand j'ai fini de parler, je suis arrivée au salon. Tu ne m'as même pas demandé. C'est moi qui t'ai dit, c'est la dame qui m'a appelée. Maintenant, il y avait la fille qui est venue pour surveiller Arthur. Je lui ai dit, elle dit quoi? Tu m'as rien dit. Je t'ai dit après. Après. Il y avait quelqu'un. Après. Pourquoi je t'ai donné le pull? Je t'achète un cadeau. Je te dépose sur la porte. Et tu laisses le pull jusqu'au matin sur la porte. Mais j'ai vu, les manches étaient sales. Faut prendre, tu vas regarder. Les manches étaient sales. Donc, j'ai laissé. J'ai dit, voilà, maintenant, je me fâche. Je prends le pull. Je range dans mon placard. Pourquoi tu ne vas pas rechercher? Tu as laissé le pull, je t'offre un cadeau et tu laisses là où j'ai déposé. Florent, quand tu m'as donné là, moi, hier je ne t'ai pas dit merci. Tu m'as donné, tu m'as dit merci et puis je retrouve à la même place. J'ai accroché le pull sur le poignet de la porte. J'ai accroché le pull. Non, ils avaient laissé mon cadeau. Non, c'est pas vrai ce que tu es en train de dire. J'ai regardé, les manches étaient sales. Non, j'ai laissé, j'ai dit matin, j'allais mettre ça dans les affaires sales et puis j'allais laver. Après, je finis, je me réveille tout, je regarde, le pull n'est plus là. Je me suis dit, peut-être que tu as pris. Mais tu n'as pas demandé où est le pull. Tu as vu le pull dans mon placard, tu n'as rien dit. Et je suis allé jusqu'à dire, Isa, je suis allé dire, Isa, je t'ai offert un pull, tu as laissé, tu ne veux pas. Isabelle ne m'a pas répondu. Tu m'as dit ça quand? Isabelle, tu ne veux pas le pull, ce n'est pas grave. Tu es en train de te venger depuis que l'assistant social l'appelle. Moi, j'ai un conseil à donner à Madame Isabelle concernant les assistants, enfin les assistants sociaux et tout. Tu sais, madame, il faut faire très, très gaffe. À ce que tu lui as dit. À ce que tu lui as dit. Parce que un jour, ça pourra retourner contre toi, en fait. Ouais. Ça, par contre, contre elle ou bien contre moi? Non, contre elle. Contre elle, Isa. Contre elle. Parce que ces personnes notent tout. Moi, je me rappelle une année. Et ils vont la renvoyer à Abidjan. Mais non. Écoute d'abord, écoute. Mais non. Écoute. Moi, je me rappelle. Il y a une fois où je me suis prise la tête avec mon mari et bon, sous l'effet de la colère, j'ai eu à contacter aussi une assistante sociale. Mais tu sais, après, j'ai regretté pourquoi en fait. Parce que ces personnes rentrent dans ta vie. Ouais.
essaye de fouiller dans ta vie pour piocher certaines informations pour utiliser ça contre toi. Et sachant que ton mari, c'est un homme qui est public, c'est pas vraiment, vraiment très, très agréable. Tu vois. Regardez ce qui est écrit là. Je vais payer combien aux impôts? Regardez, tu vois le chiffre? 8 000 euros. Ah oui, c'est vrai. Je ne sais pas, ça vient d'où. Je me dis, peut-être c'est depuis 8 000 euros, je dois payer aux impôts. Ça vient d'où? Ah, c'est les affaires. C'est beaucoup quand même, hein? C'est ça, il dit à Isa. Tu vois, je peux pas dire, même si on va dans la réalité, je souffre beaucoup. Mais je suis un homme, un enfant de Dieu. Oui, oui. J'ai dit, Isa, on est ensemble. Mes enfants sont ensemble, on est ensemble. Je déconne. Je t'ai promis, je vais arrêter les déconnes. J'arrête. Pardon la variété donnée. J'arrête. Mais le vieux père. Isabelle, si tu me tapes en angle gauche, je suis obligé de réagir. Parce que ce qui vient en face là, ouais, c'est plus chaud que ton tapis. Plus chaud que. Ouais, c'est vrai. Ça va être des contrôles, des ta-ta-ta. Des... Ah, ça, c'est clair. Hein. Je vais avoir des. Isabelle. Et il faut faire attention parce qu'on risque de t'enlever tes enfants et les placer au foyer. C'est si voilà. Si les petits viennent voir. Ils vont me dire, moi, je suis instable. C'est ça. Ouais. Premièrement. Si ils vont dire, toi, tu n'as pas de revenus. Isabelle n'a pas de revenus. Ouais, le mari est instable. Oui. On risque de te prendre tes enfants et les garder au foyer sous prétexte que, voilà, vous n'êtes pas stable. Donc, fais très attention aussi à ce que tu dis en tout à cas, l'assistance sociale en question. En tout cas, comme dit dans tout... Dans de temps en temps, il faut blaguer ton mari avec les petits cadeaux. Tu vois, les petits gestes comme et ça peut être amélioré. Et apprends... Mais juste avec un petit cadeau, ça fait combien d'années on est ensemble? Toi, tu me fais cadeau. Toi, tu es non. Toi, tu me fais cadeau. Isa, n'est-ce pas? C'est pas parce qu'il ne te fait pas de cadeau que toi, on ne fait pas de cadeau. Je ne me suis jamais plaint de ça. Est-ce que je t'ai une fois pris la tête pour cadeau? Même oui, mais tu n'as jamais parlé de ça. Anniversaire, mais tu ne me souhaites pas joyeux anniversaire. Est-ce que je t'ai une fois pris la tête pour ça? On n'est pas là pour se chercher joyeux anniversaire. On est là pour sécuriser nos enfants. Les affaires, c'est les affaires. Les affaires. Oui. Des business. Anniversaire. Moi, je n'ai jamais été anniversaire. Je n'ai jamais fait. Isabelle, t'inquiète pas. Un jour là, toi et moi, on va fêter anniversaire comme ça, boudou. On va faire gros mariage à l'église. Comment comme ça? Jésus, il est mon amour. Mon pauvre, les gens, il faut venir, tous nos amis vont venir. Et ouais. Tu crois que moi, je suis concentré. Mais laisse-moi te frustrer d'abord, puis je vais te mettre en haut. Tiens, si tu n'acceptes pas ça là, c'est que tu ne peux pas aller en haut. Hein? Jésus là, avant d'être ressuscité, il est mort sur la croix. Amen. Amen. Voilà. Donc laisse ça là, ma bébé. Il faut me faire confiance. Moi, tu me fais confiance là. Je gère. Mais le père Obso. J'ai peur. Moi-même, là, j'ai trop peur. Mais le père Obso. J'ai pas peur de. Mais moi, j'ai une question. J'ai une question, en fait. Tu dois aux impôts 8 000 euros. Ça veut dire que tu as gagné au moins 100 000 euros cette année. Hein? Ta gueule. Ta gueule. Parce que là, franchement, non. Non, j'ai déjà payé 16 000. Là, je vais payer 8 000 encore. C'est chaud. En tout cas, la seule chose que je peux vous dire, c'est d'essayer de résoudre la situation. Vous avez de magnifiques enfants. Ne laissez pas ces personnes-là qui entrent dans votre vie et gâcher votre relation pour rien. Vous savez pourquoi vous êtes venus en France? On est tous venus en France pour se chercher et retourner dans notre pays. Moi, je veux juste, Isabelle n'a qu'à aller à l'église. Elle n'a qu'à continuer de prier bien. En même temps, ce n'est pas non plus église, hein? C'est pas l'église qui paye les captures, hein? Oui, mais c'est moi qui paye les factures, c'est moi qui lui suggère d'aller à l'église. Justement, ne laisse pas. Ne mets pas tout. Attends, s'il te plaît. Laisse un peu ta femme aussi gérer certaines choses, en fait. Moi, je comprends Isabelle. Moi, je ne sais pas, je vais dire un truc qui est devant elle. Peut-être que c'est. Isabelle, elle aime le feu. Dès qu'elle a le feu, elle fait des trucs bien, mais dès que ça se calme, elle devient flocon. Isabelle, c'est vrai, à vous. Ta femme a besoin des excuses. Pour non, on ne revient pas sur ça. On ne revient pas sur ça. On a réglé cette partie. Hein. Non, parce que là, elle n'a toujours pas eu ses excuses. Et ça, franchement, j'insiste, s'il te plaît. Si tu veux vraiment récupérer ta femme et résoudre les problèmes. Non. Tu vois, moi, je suis Baoulé, observateur. Je m'appelle Kouadio. Je suis Baoulé. Voilà votre fille. Elle s'appelle Waiwai. Non, mais pour de vrai. Isabelle, faut pas t'inquiéter pour ça. Faut pas t'inquiéter pour ça. Et pardon, Yako, j'ai failli te blesser. Faut pas t'inquiéter pour ça. Tu sais, on est plus fort que ce que les gens pensent. Il y a des couples là, pour si peu, ça se retrouve en vrille. Moi, je te dis,
juste reste sereine. Parce que quand tu me perturbes trop, quand tu es là, tu boutes, on se réveille le matin, je t'ai pas, tu es assise au salon, tu ne me réponds pas. Pourquoi tu ne me réponds pas? Je suis l'homme de la maison, je suis le boss. Le boss, il vient, il sort, il se réveille, il s'en va se laver. Et puis, carrément, tu me dis, eh ben, c'est toi qui dois déposer Winnie. Ah, Moni. Si tu déposes Winnie, là, ça fait quoi? Oui, mais là, oui, c'est ton enfant. Non, écoute-moi. Moi, je vais déposer Winnie. Et c'est bon. Non. Non, non. C'est pas de ça qu'il s'agit. Mais oui, j'ai compris. Déposer Winnie. Le boss, je vais déposer Winnie. Je reviens, elle dort bien. Mon fils est au salon, je joue un peu à lui. Non, c'est la baby maman, quoi. Maintenant, comme, et calme-toi. Elle parle aux assiettes. Elle parle aux assiettes. Elle est couchée, tranquille, dans sa chambre, jusqu'à midi. Moi, je suis là, je m'occupe des. Mais go là. Oui, oui. Mais pourquoi tu m'as laissé les enfants jusqu'à. Et puis tu as dormi. Tu as dormi avec Arthur jusqu'à. Isa. Non, avant-hier. Isa. Tu m'as laissé les enfants et tu dormais. Isa. Je te laisse les enfants pour dormir. Isa. C'est bien, mais je crois que depuis que tu parles avec les assistants sociaux, c'est ton comportement. Isa. Isa. Tu as raison, hein. De temps en temps, tu dors, ma mère. Il faut dormir bien, même. Faut te reposer. Parce que, ce que tu oublies, c'est quoi? C'est que tu es un homme des affaires. De temps en temps, tu es tout le temps dehors, tu vois. Et c'est elle qui s'en occupe quand même. Donc, quand tu reviens comme ça, elle a besoin un peu de souffler et qu'elle te laisse aussi un peu les enfants. Je fais ça. Moi-même, au contraire, j'aime aller chercher Winnie parce que Winnie dit, oh, le train est venu me chercher, le train. Je cherche Winnie. Mais moi, pendant que je cherche Winnie, que ma femme n'est pas en paix avec moi, je suis embêté. Je joue à les enfants, je suis obligé de m'asseoir au salon comme. On dirait même pas que je suis sur moi. Là, tout de suite, tellement ça m'a énervé, j'ai pris un billet d'avion, je me barre. Regarde, je te montrais. Tellement je suis énervé depuis le matin. J'ai dit non, je me casse d'ici. Je vais te montrer. Hey, non, il faut annuler. Je ne peux pas annuler. Regarde. Laisse, il va se casser. Non, tu vois. Tu vois, elle a quand même demandé pardon, chérie. Reste, regarde. Non, il faut annuler, le pardon, madame. Réservation. Attends, je vois, je suis allée. Non. Madame Isabelle. Regarde, tu as vu, non? Observation. Est-ce que ça va améliorer la chose? Faut annuler. Parce que je ne peux pas être chez toi et puis tu n'es pas en paix. Et elle fait le jour et la nuit, elle connaît. Si elle chauffe mon cœur, c'est qu'à quelque part, il y a un enjeu. Oui, mais arrête de fuir aussi, toi. Parce que, apparemment, toi-même, tu es un bon fuyard. Quand ta femme te chauffe un peu, toi-même, tu fuis. C'est pas bon. Tu restes dans le feu, là. Et tu arranges. Question à Madame Isabelle qui n'a pas pu répondre à la question. Je pense qu'elle n'a pas entendu. Attends, pendant qu'on nous cause. Oui. Madame Isabelle. Oui. Si observateur s'excuse, tu penses que ça va réduire un peu la colère que tu as en toi? Et qu'elle a fait des excuses encore. Et... Ça va réduire un peu. Voilà. Tu es en colère. Oui. Elle est blessée en fait. Isabelle, tu es en colère de quoi? Pourquoi tu veux savoir le pourquoi de ta femme? Si c'est un autre homme qui a fait ça à ta soeur, toi-même tu vas demander pardon à ta soeur de ramasser ses bagages pour partir. Maman, tu es la mère des lieux. Tout ça, c'est des tintamarres. Et alors? C'est du tintamarres. Je m'en fous. C'est des trucs même on ne se rappelle même plus. Ça n'a jamais existé. En tout cas, laisse ta vie aller dans le fait. Peut-être que devant nous, tu ne veux pas t'excuser. On dit la nuit, pas de conseil. Donc, laisse ta chercher. Je me suis excusée. Il va pas faire. Tu ne t'es pas excusé, sincèrement. Il ne va pas s'excuser. Comment ça? Comment ça, il ne va pas m'excuser? Pourquoi tu fais dire non? Écoute, moi, je vais être clair avec toi. On va s'asseoir, on va discuter. On va commencer du début à la fin. Parce que je ne comprends pas dans quoi vous me mettez. Isabelle, je dis là, on est dans une situation où l'assistance sociale me stresse. Peut-être qu'elle est pour nous ou contre nous. Mais informe-moi. Ce n'est pas une question de patati patata. Que les excuses peuvent améliorer les choses. Bien sûr. Non, c'est pas là où on est. Les excuses, c'est pas fait de jour. Mais elle a la clé de l'assistance sociale, c'est-à-dire à tout moment, elle peut stopper ça, en fait. J'ai eu un peu ce cas-là, observateur. Je sais de quoi je te parle. Parce qu'elle, elle peut dire à l'assistance sociale que, écoutez, madame, je ne veux plus vous voir. Je ne veux plus en parler. C'est de son droit de ne plus vouloir en parler. Non, je conseille de ne pas m'imposer dans sa vie personnellement. Parce que je me dis, vas-y, fais ce qu'il y a à faire, mais reste honnête. C'est bien ou pas? Non. Voilà, tu vois. Mais parce que je connais, c'est des psychologues. Ils sont exigés, aiguisés. Ils sont aiguisés. Elle va finir par se faire une brèche. Elle va finir par taper. Tu vois?
Et moi, aujourd'hui, je me connais. Moi, là, mon cœur s'ouvre vite. Quand tu es moi, on est amis. Mais dès que je ne te sens plus là, c'est pour ça qu'il dit souvent, je monte dans des trucs, il dit non, je l'ai affiché. C'est une réaction de moi en train de me protéger. Parce que je ne savais pas que on pouvait être une telle, quelqu'un du système peut venir. On peut régler nos problèmes ensemble. On a les sages de l'église, on a nos parrains de mariage, on a plein de gens. Même quand je suis à Abidjan, Elisabeth même sait. Quand je suis à Abidjan, j'appelle tous nos parrains. Et voilà, il faut lui donner des conseils. On discute ensemble. Mais c'est là, pourquoi tu ne dis pas, il va te donner conseils aussi. Il me donne conseils. C'est pour ça que je suis là. Conseil de quoi? Isabelle, les gens qui t'ont parlé, les gens qui je suis un homme public, je sais que je filme des trucs. Même le vieux PL ami qui est là, matin, s'il n'a pas rien à story, il n'est pas fan. Il va rien à story, il va kiffer. Il y a des parties qu'il aime, il y a des parties qu'il n'aime pas. Même il y a des gens, même là, ils donnent des conseils. Non, pourquoi tu filmes la fille là? Nanani, hey. Je pratique un métier que j'aime et je suis expert là-dedans. Ouais, j'ai fait mes buzz, j'ai fait mes bad buzz, j'ai tiré ma conclusion. Je sais quel est le produit que je vends dans ma boutique en tant qu'observateur. Moi, je vends le fait que je respecte rien. C'est vrai, je t'ai dit une fois, je n'ai pas besoin de filmer les filles pour avancer dans ma vie. Je peux faire mon buzz sans ça. On en a parlé quand j'ai fait ma coiffure de Dubaï. J'ai dit, Isabelle, je peux faire mes trucs sans filmer forcément fesse. Je peux faire ça sans ça. Donc, tu vois, non, elle confirme. Je peux faire ça sans ça. Ce n'est pas forcément une priorité. Mais je suis quelqu'un, j'ai besoin d'ambiance. Moi, j'ai toujours dit dans la vie, sachons tous qu'on a des enfants. Aujourd'hui, tu fais ça à l'enfant d'autrui. Demain, quelqu'un d'autre pourrait faire ça à ton enfant. Mes péchés, c'est mes péchés. Les péchés de mes enfants, c'est leurs péchés. Les affaires, c'est les affaires. Mais tu auras mal si aujourd'hui, bébé... Aujourd'hui, j'essaie de donner une bonne éducation à ma fille. Isabelle donne une éducation à ma fille. Winnie, c'est sauf qui peut. Je l'aime bien, mais la vie, les affaires, c'est les affaires. Oui, mais demain, si ta fille vient pleurer devant toi, tu ne resteras pas indifférent. Pourquoi elle va venir pleurer devant moi? Bah justement, parce que son homme a refusé. Tu crois que Winnie va venir pleurer? Tu n'es pas son papa. Mais tu es son père! Bien sûr. Tu as 18 ans, tu vas venir pleurer devant moi. Même à 30 ans. Moi-même, là, je suis pressé qu'elle ait 18 ans pour se casser. Moi, elle va venir pleurer devant toi. Tu parles, ça, c'est connerie, ça. Ça, c'est ce que tu penses. T'as le même 18 ans, tam, tu ne voudras pas qu'elle parle. À 15 ans, même là, c'est bon. Allez, Fraya. Aïe. Qui? Mais non. Dans 6 ans. Dans 10 ans, flopant. Aïe. Toi, t'es sûr? Toi, t'es sûr? En tout cas. Moi, je vais prendre ma retraite. Moi, je prends ma retraite dans 10 ans. Je veux la paix. Je veux la paix. Mais non, à 18 ans, elle va aller à l'école. Mais à 18 ans, elle est encore à l'école. Oui, elle est intelligente. Hein. Il faut qu'elle fasse des bonnes études vite. Hein. Moi, à partir de 16 ans, là, vous croyez que moi, je vais payer des gros montants dans des écoles d'experts, de quoi? Moi, j'ai payé à 16 ans, là. Je paye l'étude, elle est à l'université, mais elle doit pouvoir gratter son copain. Non, hein. De toutes les façons, on n'est pas au pays, on est en France. On est en France. Tant que ta fille part à l'école, tu continueras à payer ses études et c'est comme ça. Oui, je paye. Mais à 16 ans, 17 ans, là, on commence à diminuer. Parce que... toi, tu as grandi avec un papa choco intellectuel comme ça, dans le même... Tu n'as pas grandi sur lui superposé. Winnie, aujourd'hui, là, bientôt, elle va avoir sa chambre, elle seule. Hein, enfant de 4. Madame Isabelle, protégez votre mari et monsieur observateur, protégez votre femme. C'est très important. Ouais. Allez dormir. Non. Toi, Isola, toi, va te reposer avec ta femme et discuter avant de dormir. Moi, je sais qu'il va le faire. Elle pas moi, elle va aller dormir. Si possible, même. Priez ensemble ce soir. Elle prie pas, hein. Elle prie pas. Ta femme a dit qu'il faut pas, elle va prier. Elle a dit. Non, j'ai pas dit ça. Il faut qu'elle prie. Isa, ça se voit que tu aimes beaucoup ton mari. Hein. Protège-le, s'il te plaît. Elle m'aime pas. Celle-là, elle veut me mettre. Elle t'aime très fort. Elle t'aime de ouf. Elle t'aime de ouf. Est-ce que tu lui dis parfois que tu l'aimes? Elle m'a jamais dit ça. Jamais. Observateur, c'est pas. Observateur, c'est pas toi qu'on a posé la question. On a posé la question à madame. Ok. Isa. Oui. Est-ce que tu aimes ton mari? Réponds, est-ce que tu aimes ton mari? En tout cas, j'aimais mon mari. Mais pas son comportement. J'aimais mon mari, mais là, actuellement, avant, c'était à 100%, mais ça diminue.
Bon, disons, je suis 100%. Il lui reste combien de pourcentage? 99. 70. 70. Ça va. Ça dépasse la moyenne. C'est plus que la moyenne. Donc, il y a 30% qui a diminué. Et toi, monsieur observateur? Hein? T'as bien entendu. Eh, demande quoi? Tu aimes ta femme? Tu aimes ta femme? Non, mais je sais pas. Je vais dire que c'est ma femme. Hein. Si je l'aime pas, pourquoi elle est ma femme? Arrête de jouer avec les mots. Non. Tu aimes ta femme, non? C'est ma femme. Voilà. Mon mousseau. C'est ma bébé. Mm-hmm. Ma Lady Gaga. C'est ma Beyoncé. Dans les 30% là, il faut gérer ça. Comme ça, ça arrive à 100%. Fais en sorte que ça n'est Isabelle pas. N'a qu'à comprendre qu'on est deux. Oui, c'est, voilà. Oui. Et ces bêtises là. Mm-hmm. Ces bêtises, elle se balade dans la maison, elle prend tout en mal là. Elle n'a qu'à se calmer. Elle n'a qu'à se calmer dessus. Quand le père Obso est là, c'est le père Obso, le king. Le king of the North. Voilà. Allez. Ça. Dis-toi que vous êtes deux, ton mari et toi, contre le reste du monde. Et c'est comme ça que vous allez réussir. Observateur et toi, vous formez qu'un. On est du même pays là, Boaké, Côte d'Ivoire, Baoulé. Et quand on va au et un, Kwadio, bien fait. Moi, je viens de. Bon, après, on ne sait pas. Elle vient de Borikoro. Et puis, tu as marié ta mère. Moi, tu es foutu d'elle. Non, je viens de Brobo. Un Brobo. Brobo et Mbayako. Atia Waouli. Un Tikan. Viens à Kofa. Salut, ton Kofa. Est-ce qu'on peut parler? Si, si, parce qu'un clo camerounais, c'est ça, hein? Bon, ma famille camerounaise. Ah, reste avec ma belle Abla. Jamais de la vie. Bali, tout le monde. Allez, bonne nuit à vous et prenez soin de vous. Iso, mon bébé, Iso, calme-toi, faut te calmer. Demain, je m'en vais voir mon papa, mon paré. Tu contrôles la maison, arrête de faire la folle. Tu plies à mes instructions. Faut te calmer, d'accord. Ça va, Ali. Si ton mari. Non, ça va, Isa, ça va. J'ai toujours pris sur moi, donc c'est pas. Moi, je prends plus sur moi, hein. Isa. Là, hein. Moi, je prends plus sur moi. Hein. Par contre, ne dis pas ça. Hein. Je vais en tout cas, enfin. En tout cas, le père Obso, tu connais bien ta femme, elle te connaît très bien. Je ne la connais pas, celle-là, dès qu'on a coupé le direct, là, elle va rentrer dans son giga. Non, giga, elle est finie. Parce que, n'est-ce pas, elle n'était pas obligée de venir parler, hein, mais quand même, elle est venue, hein, tu vois. Ça veut dire que elle veut l'arrangement. Elle veut la paix. Ils m'aiment pas, mes propres fans, ils sont dans le direct, ils m'aiment pas. Non, mais ça, c'est les jaloux, ça sert à rien. Non. Bon, il n'y a pas grave. Seulement, je m'inquiète, quoi. Dès que vous avez coupé le direct, Isa, là, elle va rentrer dans un regard, elle va coucher demain matin, elle va se réveiller. Ah, ça me dit. Non, non. Écoute, non. On va laisser les femmes là entre elles. Vas-y, chérie. Non. Quel conseil tu peux donner à Isa? Moi, j'attends juste d'observateur de demander des excuses à sa non, femme. Non, cette partie a été réglée. On a réglé cette partie. On a réglé l'idée. Non, mais tes souhaits, ils ont pas d'avadou. Ils ont pas d'avadou. Il dit, c'est quel pardon qui définit pas. Enfin, j'espère que j'ai bien compris. Mais pourquoi? Non, les ou, j'ai rien fait. Je fais un enfer. Les pop en dinga. Ma finition, là, c'est ça. Ok. Observateur. On dirait le pardon, tu l'achètes, hein, ça va. Je veux comprendre. Observateur. Yes. C'est simple, hein. Hein? Même si tu ne connais pas, dis chérie, pardon, ça passe. Yako. Non, c'est précieux. Mais je n'ai pas dit, je ne lui demande pas pardon. Isabelle, écoute-moi. Non, écoute-moi, Isabelle. Je n'ai pas dit, je ne lui demande pas pardon. Je vais juste comprendre le contexte. Le contexte. Aïe! C'est non. Dur, vous êtes délicat. Non, c'est bon. Regarde, le contexte, c'est quoi? C'est qu'elle a vu un truc qu'elle ne devait pas voir. C'est elle qui est allée chercher. Oui. Même si j'ai cherché, mais tu l'as fait ou pas? J'ai rien fait. C'est qu'elle a vu là. Tu l'as fait ou pas? Il dit qu'il n'a rien fait. Oh, il l'a rien fait. J'ai rien fait. C'est qu'elle a vu la même place. Moi aussi, aujourd'hui, je dis non, ouais, moi, quoi, quoi, tatati, j'ai été infidèle, mais c'est pas par rapport à ce qu'elle a vu. Aïe, en cousin, Mayan Gepi. On va peut-être que je vais lui faire des excuses sur d'autres paramètres. Mais ça, là, la partie, là, laissons ça là. Hey!
pas grave. Je suis dur. Ça va. Isabelle est là, je suis là. On n'a qu'à discuter. On n'a qu'à bien poser. On va s'entendre. On va construire notre vie. Ça peut aussi être dû à l'accumulation de tout. Hein. Oui, il y a certaines choses qu'elle accumule, Je n'ai pas compris. On va avancer. C'est dû. Moi, je dois que tu faut que tu mettes dans ta tête que c'est dû d'avancer. Et ces difficultés-là, on doit les avaler. Tu prends toujours, tu dis tes abonnés sont tes témoins. Donc, le jour, tu vois la photo d'un homme, une vidéo d'un homme nu dans mon téléphone. Hein? Je le trouve chez lui. Je m'en vais le trouver chez lui. Je vais lui faire du sale. Attends. Vas-y, Isapane. Le jour, tu trouves une vidéo d'un homme nu dans mon téléphone. Hein? Et puis, je lui envoie un message. Isabelle, tu ne peux pas faire. Il ne faut même pas terminer. Tu ne peux pas faire ça. Bébé, j'arrive chez toi pour un coup. Et puis, il me dit, d'accord, viens. Tu ne vas pas te fâcher. Hein?